Run. Eh bien, salut tout le monde, c'est KazuGame, on se retrouve pour un nouvel épisode sur SeaWorld, avec un petit peu de musique. Bienvenue dans le nouveau lobby, donc un petit lobby qui a été fait par Black Toad, donc c'est assez sympa. Donc, on va faire une petite visite. Alors là, il a mis les règles, voilà, bon, c'est les mêmes qu'il y a sur le Warp. Ensuite, bah là, il a mis quelques trucs, quelques nouveautés, donc du LPVP. Donc là, il suffit de cliquer dessus et vous allez être mis en attente avec d'autres personnes qui veulent faire du PVP. Là, on a la liste du staff. Donc moi, parce que je suis modo, maintenant sur le serveur. Bon, là, je suis en visiteur parce que là, c'est un lobby, c'est un serveur différent. Mars, Flash, Blacktoes, Sandra, Cheetos et Mystigris. Ensuite, bah voilà. Les différents serveurs, donc survie 1.13, et puis là un futur serveur qui va arriver. On sait qu'il va y avoir un nouveau serveur qui va arriver, mais on ne sait pas encore quoi. Puis voilà, bah, des petits trucs, le lien du Discord, etc., etc., avec plein de petits easter eggs partout. Donc là, on a la tête d'Enilo parce qu'il a fait le mode troller sur le serveur comme d'habitude. Là-bas dans la montagne, si vous cherchez, il y a un autre easter egg, etc., etc. Donc ouais, franchement un petit lobby sympathique, hein, franchement c'est bien sympa. Donc écoutez, nous on est parti, hein, pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc on a beaucoup de choses à faire, donc notamment continuer le warp, mais enfin du moins continuer le warp dans la zone shop. C'est quoi ça? Apparemment je découvre Zarakor. Ok, non mais voilà, comme je vous dis, il y a plein de petits historiques, voilà. Donc bah écoutez, visitez, et puis bah, si vous trouvez des easter eggs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous trouvez l'easter egg dans cette montagne, je crois que c'est dans cette montagne qui est là. Si vous trouvez l'easter egg dedans, bah, n'hésitez pas à me dire c'est quoi dans les commentaires. What? Pourquoi il y a des melons là-dedans? What the fuck? Mais d'abord c'était des cannes à sucre. Pourquoi il y a des melons ici? What? Mais pourquoi il y a des melons ici, quoi? What the fuck? Tikatok ou Inilo, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais il y a plein de melons partout. C'est pas grave, je vais miner ça, ça va me faire des thunes. Écoutez, attendez, ça rapporte des sous au moins ce truc-là? On va voir ça. Est-ce que ça rapporte des sous? Non, ça c'est une touche de toit. On peut plus miner à la touche de toit, en fait. C'est... Parce que, tout simplement, ça a été fait pour empêcher les abus de ceux qui font que de poser et miner. Eh mais ouais, ça rapporte des thunes. Bah écoutez, on va se miner ça tranquillement. What? Eh, vire-toi. Putain, c'est fantôme. Je vous jure, les fantômes, c'est abusé. Je crois que c'est la chose qui m'énerve le plus en Minecraft actuellement. C'est ces putains de fantômes. C'est vraiment, 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 vraiment très, très relou parce qu'on se fait tout le temps attaquer, quoi. Puis ils attaquent en masse. Et puis là, je vais les tuer. Dans 2 minutes, il y en a 2 autres qui réapparaissent, quoi. Et en fait, faut dormir. Tout le temps, dormir. Tout le temps. C'est relou. C'était mieux avant, quand même, Minecraft pour ça. Hein. Écoutez, on se fait les melons tranquilles. Et puis, on se retrouve juste après. Regardez, la magie du montage. Et hop, disparu les citrouilles. Tatin, vous avez vu, j'ai des pouvoirs magiques. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récolter un peu toutes mes citrouilles là, histoire de se faire toujours plus d'argent, toujours plus de blé. Du blé. J'ai mon objectif des 100 millions, donc il faut que je me fasse quand même pas mal d'argent. Surtout que j'ai dépensé, j'étais à 2 millions, je crois.
Et j'ai dépensé pas mal. Non, j'étais à 1 million, je dis des bêtises. Et j'ai dépensé pas mal d'argent pour racheter des spawners à. Un spawner à sorcière et un spawner à. À gardien. Donc ça m'a coûté quand même pas mal d'argent. Donc il faut que je me refasse. Hein. Notamment là, je suis à slash money. Je suis à 900, voilà. Alors que j'étais à 1 700 000, je crois, un truc dans le genre. Donc j'ai perdu pas mal d'argent, mais bon. C'est pour le warp, voilà. Et bah écoutez, c'est un sacrifice, on va dire. Bon écoutez, nous on se fait ça en petit accéléré et on se retrouve juste après. Bon, voilà, les citrouilles sont minées. Bon, ça a déjà repoussé beaucoup. Par contre, pas ouf. Pas ouf, hein, les citrouilles, ça rapporte plus grand chose. Niveau métier, ça m'a fait up mon métier 35, mais j'ai pas pris beaucoup plus. Regardez, allez, voilà. Donc, on va dire 3 traits, ça m'a fait prendre. Donc, c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc, maintenant, on va aller finir notre. Enfin, on va aller voir ce qu'on va faire pour le warp maintenant en bas pour les shops. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu les zones. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des écritures en bas? Attendez, il y a des écritures en bas. Warp will par Blactose, Plagia de Zarakorp, Kazoo, Trovio aussi, RT. What the fuck? Oh, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé en Warp? What the fuck? Qu'est-ce que. Putain, il y a encore des. D'accord, espèce d'enfoiré de Blactose. Alors ça c'est obligé que c'est pas toi le salaud. Plagiat Zarakorp, ouais c'est ça, je vais te montrer si je suis un plagiat Zarakorp. Mais non, mais ils en ont mis partout, putain, mais non. Les salopards. Oh non. Putain, je vais. Ah bah là c'est clair, je vais m'en faire des thunes, hein. Il y a des melons partout. Ah les salopards. What the fuck, mon beau Warfake amour, voilà, saccagé, bande de traîtres. Bande de chiens galeux. Putain. Oh non. Oh, je vais m'emmerder à casser tout ça. Putain, c'est des salauds. Plagiat Zarakorp, ouais. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Parce qu'en fait, moi et Zara, on est un peu ce genre de joueur. Quand on va sur un serveur, on aime bien faire des warps publics et tout ça. Et Zarakorp avait fait ça sur un autre serveur que je ne dirai pas de nom. Que vous connaissez, mais voilà, on aime bien faire ça. Et notamment, moi j'avais déjà fait ça aussi sur Hyperia, hein, pour ceux qui me suivent depuis Hyperia. Donc j'ai toujours aimé faire ça, ce genre de warp public avec mon petit shop et tout ça. On aime bien tirer du monde, et puis voilà, et puis ça a toujours été comme ça. Private Blactose, donc j'ai eu un petit don, on va aller voir quand même le don. J'espère que le don est à l'auteur du travail qu'il y a à faire en nettoyage. Vous ne pouvez pas utiliser ce bloc, il est protégé. Ah oui, non, attendez. Je crois que c'est parce qu'il faut que je mette un dans ma main. Non, je ne peux pas l'ouvrir. Ah, je peux peut-être casser. Non, je ne peux pas ouvrir son corps. Bon, tant pis, je verrai avec lui quand il sera connecté. Bon, bah écoutez, c'est reparti pour du nettoyage en mode accéléré. Non, allez, on va profiter de mes pouvoirs magiques, voilà. On se met là et attention, tour de magie, ça va disparaître. Et hop, tour de magie. Donc c'est bon, j'ai enfin nettoyé. Par contre, j'ai vu que ils en avaient aussi foutu derrière là. J'ai encore tout ça nettoyé. Il y a plein de toiles d'araignée à casser. Pourquoi il y a un. Ouais, ok, avec encore une tête de Maxou. Mais il y a des têtes de Maxou partout. Oh là là, les salauds. Et j'ai aussi laissé une zone pour l'instant. Allez. Voilà. Parce que je crains encore le pire derrière. Hein. Je pense qu'ils m'ont foutu des pastèques partout. Donc là, c'est ma nouvelle zone. Trop cher le shop. Putain, mais comment il nique mon pseudo, clairement. Ce manque de respect total. Ah, les salauds. Non, j'ai peur derrière de ce que je vais trouver. Et non, me dis pas. Ah, les salauds. Non, mais ils ont tout rempli. Oh, putain. Mais non, ils ont tout rempli jusqu'au bout. Oh, non. Oh, putain, mais.
Oh non, les salauds. Et ça va me prendre au moins une heure là, les gens. Encore là, je disais, bon, ça va, c'était rapide à nettoyer. Mais là, s'ils ont fait jusqu'au bout, ça va me prendre une heure. Ah non, mais. Les salauds. Ah non, mais je suis sûr, ils ont fait jusqu'au bout du couloir. Oh là là. Attendez, on va aller voir ça, mais. Mais regardez, ça a été rempli totalement. Ah ouais, non, mais là, ils se sont donné un cargo, là, clairement, ils se sont amusés. Eh, Blacktoes, tu te fais chier sur le serveur, t'es pas obligé de venir me troll. Du rire, t'es casou des munitions, allez, salaud. Mais il y en a partout, mais non, mais putain. Ah oui, alors voilà, je vais en profiter pour vous faire montrer un peu le shop qui a été mis en place. Donc voilà, j'ai refait une petite déco comme sur Ipaio où j'avais fait. Et là, c'est Mystery qui s'occupe de vendre le bois. Voilà, donc là, il y a tout le bois à vendre. Ici, ce sera des lianes. Donc si vous voulez acheter du bois, et ben voilà, que vous avez la flemme de farm, ben voilà, Mystery vend du bois au Warp Kazoo Game. Ensuite, on a Enilo qui vend tout ce qui est truc marin, donc prise marin et tout ça. Donc si vous voulez des prises marins, Dark Prime, tout ça, des lanternes et tout ça, bah voilà, Enilo vend des lanternes et tout ça. Donc bah moi écoutez, je crois que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Bah écoutez les amis, hein, on va nettoyer encore tout ça. Bon, finalement je vais avoir passé en plus je me suis levé de bonne heure, voilà, sur le serveur il n'y a personne parce qu'en fait on est très tôt le matin. Donc je me suis levé de bonne heure pour faire ma vidéo et finalement bah voilà quoi, je sais, j'ai passé ma matinée à nettoyer tout ce bordel. Mais je vais me venger. Ah, je sais pas comment je vais faire pour me venger. En plus le Kazoo est trop vieux, ça sent le Enilo ça. Donc à mon avis Enilo était dans le coup. Donc Enilo, t'inquiète, je vais me venger, hein. Et puis pour Blacktoes, bah je sais pas, en plus c'est un admin, ça va être assez chiant de se venger, puisqu'on pourra peut pas se venger vraiment, puisqu'il est administrateur, donc il a toutes les permes. Et en plus il a pas de zone à proprement parler sur le serveur. Donc pour le troller ça va être compliqué, mais on va trouver une solution. Si vous avez des idées de troll, bah mettez-les moi en commentaire. Et puis bah moi écoutez, on se retrouve une fois que j'aurai nettoyé tout ce bordel. A tout de suite. Enfin terminé de tout nettoyer. Je vais vous raconter un truc. C'est l'histoire d'un homme qui a fait une dépression de melon. Il est rentré chez lui un matin en se disant, je vais faire ma petite vidéo YouTube pour le petit serveur, c'est Atworld. Et finalement, quand il se connaît, il se rend compte qu'il en a eu pour plus d'une heure à nettoyer ses putains de melons. Désolé pour les oreilles. Putain. Alors, j'ai un petit message à tous ceux qui ont participé à ce prank. Je suppose qu'il y avait une îlot dans le coup, ça, mais c'est même sûr et certain de toute façon. Hein, Blacktoes, puisque obligatoirement l'espèce écrito là-bas, ça c'est de l'admin. Hein, et toute autre personne, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas à quelle heure, je sais pas quoi, je sais pas où, mais je me vengerai. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être sûr, c'est sûr et certain, je me vengerai. Ça va être une boucherie, un bain de sang. Ça va être un vrai carnage. Mais ça va être pas joli, joli, joli à voir. Mais je me vengerai. Ok? Bon. Bref. J'ai Blacktoes qui m'a contacté sur le Discord avec un gros D. C'est histoire de bien se foutre de ma gueule. Hein. Donc j'ai dit... J'ai dit que j'arrivais pas à ouvrir son coffre parce qu'il y avait une pogrève. Oh, déjà tout nettoyé. Ouais, déjà, j'ai passé pratiquement une heure et demie à tout nettoyer, mais déjà, hein. Donc, hein, putain. Donc, bon, allez, on va ouvrir le coffre. J'espère que ça va valoir les une heure et demie quand même de nettoyage de melon, hein, parce que putain, c'est parti. Donc, de l'argile. Ok. Bon, l'argile, ça peut être intéressant hein, pour build. Des coquelicots. Ok. Des sorties, ouais. Bon, ce qui est bien, c'est le bloc de bedrock, mais le reste, hein, c'est pas terrible. Hein. Je m'attendais à mieux, mais bon. En fait, c'est. En fait, si vous voulez, leur dicton, c'est amour et coquelicots. Donc, bon, là, il est en invisible dans le coin parce qu'il y a une enclume qui est apparue toute seule. Par magie. Enfin, voilà, merci pour ce petit don. Même si je me serais bien passé des melons, je t'avouerai. Puis nous, bah écoutez, on se retrouve pour la suite de la vidéo.
Ah, ou à moins qu'il prépare encore quelque chose, je sais pas. Ah, il m'a envoyé un bug de vélo. BlackRock. BlackRock. Mais pire, non mais je te jure. Oh là là. Bon allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors je voulais au début faire un peu le build, mais bon, le prank a pris beaucoup plus de temps que prévu. De plus, je voulais m'excuser auprès d'Enilo parce que dans la vidéo j'ai dit que j'étais sûr qu'Enilo était dans le coup. Mais en fait non, Enilo n'était pas dans le coup. Pour une fois, Blacktoast m'a confirmé qu'Enilo n'était pas dedans et puis Bruby non plus. Parce qu'en fait, celui qui a marqué Kazu t'es vieux, un truc dans le genre, je pensais que c'était Enilo parce que c'est la phrase d'Enilo. Mais il y a aussi Bruby qui me sortait ça et ça j'avais oublié. Et en fait, celui qui a aidé Blacktoast à me prank, c'est tout simplement Bruby. Donc t'inquiète pas Bruby, hein, j'aurai ma revanche. Donc voilà, écoutez les amis, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Et moi, je vous dis bah, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, à la semaine prochaine.